Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits aujourd'hui à la webconférence et nous vous en remercions. Au cours de cette conférence, vous découvrirez les bénéfices apportés par les solutions de PLM appliquées dans l'ingénierie et le BTP, illustrées de cas concrets. Pour vous éclairer, nous avons invité Michel Remise, rédacteur en chef du magazine Archimag, Arnaud Vandendries, responsable grand compte, et Patrick Albertini, consultant de la CIMDATA. Tout au long de la présentation, vous pourrez poser vos questions à l'aide du chat situé à droite de votre écran et nous y répondrons en fin de conférence. Je laisse à présent la parole à Michel Remise. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci Hélène. Eh bien aujourd'hui j'ai une nouvelle importante pour vous. Aujourd'hui la GED c'est fini, en tout cas c'est bientôt fini, que ce soit aussi dans le BTP ou l'ingénierie. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut oublier l'idée qu'une entreprise peut suivre son activité et la vie de ses projets en comptant essentiellement sur une GED. En effet, l'activité d'une organisation, c'est trop complexe pour pouvoir se résumer à un ensemble de documents indexés avec leur calendrier des durées de conservation. Alors bien sûr, c'est important de garder un œil très vigilant sur ces documents d'activité qui soutiennent l'activité, qui l'approuvent, des documents qui permettent de gérer des équipements, de les exploiter. Mais une activité, c'est bien plus large que ça. En particulier, une activité, ce sont des échanges, ce sont des essais, des erreurs, des corrections. C'est une méthode agile qui est de plus en plus souvent appliquée et qui réclame de se passer de trop de contrôle. C'est aussi une activité qui se passe à la fois en interne et en externe. Et donc on se retrouve avec des mails, avec des documents ayant plusieurs versions, plusieurs auteurs, dont on ignore s'ils sont finis, s'ils sont véritablement validés. On a aussi des données en quantité, des données produites par le système, un calcul, une étape de workflow, des métadonnées, avec notamment des métadonnées de redatage. Il y a aussi tout ce qui est données captées. On entre dans l'Internet des objets et donc ce type de données arrive en masse. Et tout ceci se trouve en des formats très divers, texte, tableur, PDF, images, vidéos, plans. Et cet ensemble peut contenir des informations sensibles, des contrats, des signatures électroniques avec leurs certificats qu'il faut gérer, des informations de maintenance. Et les volumes sont de plus en plus importants puisque aujourd'hui on se dit qu'il n'y a plus de limite de stockage, donc on y va, on stocke, on stocke, on stocke. Sans oublier bien sûr les profils des utilisateurs. Il y a bien sûr les profils métiers avant tout, avec des gens qui travaillent en équipe transverse, ce qui est souvent le quotidien du BTP. Il y a aussi les documents de contrôleurs, il y a les records managers, les administrateurs, bien sûr la DSI. Et au bout du compte, on se retrouve avec une hétérogénéité de publics qui sont concernés par un projet. Et les enjeux liés à cette complexité sont gigantesques. En effet, il n'est pas rare de se trouver face à des projets, de grands projets d'urbanisme ou d'infrastructures qui mettent en place des centaines de sociétés et des milliers de personnes. Alors quel est le challenge aujourd'hui? Le challenge, c'est d'avoir une vue d'ensemble des projets complexes. Et il faut tenir compte d'éléments nouveaux. Tout d'abord, l'expérience utilisateur. Il ne faut pas faire fuir l'utilisateur avec une interface hermétique, parce qu'aujourd'hui c'est très simple, hein, si l'utilisateur n'est pas content de ce qu'il a entre les mains, il va ramener au travail son propre matériel et se mettre à charger les applications qui l'intéressent. Il faut aussi prendre en compte la mobilité des utilisateurs, qui sont en déplacement, qui peuvent se trouver sur un chantier, en télétravail. Et bien sûr, il faut alors gérer les niveaux d'activité et les niveaux d'accès et de confidentialité. Et bien sûr, il faut toujours coller aux règles métiers et aux règles d'affaires. Il faut penser aux enjeux de sécurité et aux enjeux financiers. Il faut faire attention, bien évidemment, c'est pas nouveau, mais cette obligation se renforce aux enjeux légaux, et je pense en particulier aux données personnelles qui connaissent depuis peu un nouveau règlement européen qui entrera en œuvre l'année prochaine, dans un an exactement. Et tout ceci, il faut le prendre en compte avec des volumes très très importants et des volumes de données. Et l'approche par données plutôt que par document est quand même une approche nouvelle, parce qu'à ce moment-là, on parle davantage de traçabilité que d'indexation, on parle plus de retrouvabilité que de plan de classement, et à ce moment-là, le moteur de recherche prend une importance capitale. Il faut aussi parler de gestion des données et de leur valorisation, tout ceci sans perdre de vue le cycle de vie de l'information et des données. Et bien sûr, enfin, il faut un système qui soit évolutif, capable de s'interfacer avec toute une nouvelle source de données, un système qui soit pérenne et qui puisse rester opérationnel tout en tant en maîtrise d'œuvre qu'en maîtrise d'ouvrage. Pour faire face à cette complexité, on a besoin aujourd'hui d'une solution innovante, bien plus riche qu'une simple GED, et il ne faudra pas oublier d'appliquer une gouvernance forte, au-delà de l'informatique, pour chapeauter l'ensemble. Voilà, je vous remercie, et je passe la parole à Arnaud Vandendries. Merci Michel, bonjour à tous, merci à tous de nous suivre. Alors en introduction, je vous propose de rester quelques instants sur un graphique qui a été établi par la société CIMDATA. Donc il s'agit d'un graphe qui représente la productivité par employé dans deux secteurs industriels, donc l'industrie manufacturière en bleu et l'industrie de la construction en rouge, sur une période de presque 20 ans. Ce que l'on aperçoit, c'est que dans un secteur, donc la partie manufacturière, la productivité par employé a augmenté de plus de 90% sur une période donnée, alors qu'elle a diminué ou stagné dans la construction pour s'établir à un petit peu moins de 100%, donc sur une base 100 qui était en 93. Cette augmentation est notamment permise grâce à la standardisation des processus et la mise en place d'outils de type PLM. Alors qu'est-ce que le PLM? PLM signifie Product Lifecycle Management. Elle correspond à une constellation d'outils qui permet de structurer l'activité technique d'une entreprise. La branche qui nous intéresse un peu plus particulièrement aujourd'hui est celle que nous appelons PDM, donc le Product Data Management. Celle-ci permet de gérer des référentiels techniques tout au long du cycle de vie des systèmes. Les fonctions clés, par exemple, l'unicité de l'information. L'objectif est d'avoir une information une fois, quitte à la référencer à de nombreuses reprises dans le référentiel. La possibilité de gérer des documents 2D, 3D, mais également des métadonnées, des équipements, ne pas s'arrêter juste à la documentation. Le fait de pouvoir bénéficier de la gestion de configuration, soit appliquée à la gestion documentaire pour pouvoir gérer les liens entre les différents documents du référentiel en vue de pouvoir établir des analyses d'impact, ou alors la gestion de configuration produit afin de pouvoir gérer les équipements et leurs baselines et leurs différentes variations, telles que conçues, telles que construites ou telles que maintenues. L'objectif du PLM est également de pouvoir vous garantir la confidentialité en vue de pouvoir travailler avec différents partenaires, qu'ils soient internes ou externes. L'objectif également est de pouvoir intégrer dans le dur vos différents processus de validation, de diffusion de différentes informations pour que vous n'ayez pas de questions à vous poser et que vous soyez certain d'avoir mis les bons gènes dans votre référentiel technique. Et enfin, pouvoir servir de colonne vertébrale de votre système d'information technique en pouvant vous connecter soit à des logiciels métiers, mais également à des ERP ou à des outils de type GMAO. Donc l'objectif final d'un PLM, c'est de pouvoir vous offrir la possibilité de gérer un référentiel tout au long du cycle de vie. On va d'abord avoir une phase étude où on va alimenter le référentiel, itérer, converger et valider les informations en vue d'obtenir une configuration telle que conçue. On va ensuite avoir une utilisation très orientée consultation ainsi que quelques modifications en phase d'exécution afin d'obtenir une configuration telle que construite. Et enfin, une exploitation de la base tout au long de la phase maintenance, avec des étapes de configuration telles que maintenues. Ce graphe vous montre l'évolution de la granularité des données en fonction de leur nombre. On s'aperçoit qu'en phase de design, on va assez rapidement augmenter le nombre d'informations, qui vont également être de plus en plus précises, afin d'obtenir, in fine, un dossier de conception. En phase d'exécution, les informations, on va plutôt itérer pour modifier des informations existantes par rapport à les problèmes qui ont pu être rencontrés sur les chantiers. Donc on va augmenter le nombre de données, mais pas forcément avoir une précision plus importante. En phase maintenance, on va avoir une très forte augmentation du nombre de données, ainsi qu'une granularité qui va augmenter. Vous pouvez n'être qu'un cube sur une maquette numérique en phase de conception, doit devenir obligatoirement quelque chose de plus précis en phase de maintenance, comme par exemple une chaudière ou alors un escalator. À ce titre, il est important de rappeler que 75% du coût d'une construction se situe en phase de maintenance. Et donc, il est important d'avoir un référentiel. Pour l'anecdote, donc une grosse société du CAC 40 qui a son siège à La Défense a pu économiser 10% sur la facture énergétique de son siège en reconstituant un fonds documentaire à des fins de maintenance. Quand vous démarrez vos projets de transformation numérique, il est important de se poser la question: ai-je vraiment uniquement besoin de stocker des fichiers? Vous pourriez alors vous rendre compte que vous avez également besoin de gérer des nomenclatures d'équipements, de pouvoir bénéficier d'une double codification, une pour vous, une pour votre donneur d'ordre, également de pouvoir gérer très finement les droits, et également potentiellement de pouvoir gérer un lien fort entre votre solution et d'autres outils métiers. Pour les prochains slides, je vais revenir sur 4 points caractéristiques du PLM. L'enjeu très important est la notion d'unicité de l'information. Donc l'objectif est d'avoir l'information une seule fois dans le référentiel, quitte à ce qu'elle soit référencée à de nombreuses reprises dans d'autres dossiers. Je vais prendre par exemple l'exemple d'une pièce d'identité que vous pouvez avoir sur votre disque dur dans un dossier pièce d'identité. Vous pourriez en avoir besoin dans un dossier différent, qui peut être un dossier de crédit ou un dossier d'assurance ou encore un dossier logement. Dans ce cas-là, vous avez potentiellement 4 fois votre document sur votre disque dur. Au-delà de la place qui est prise, vous ne savez pas forcément quelle est la bonne version de votre passeport. L'objectif du PLM est donc de vous garantir l'unicité de l'information tout au long de son cycle de vie, unicité et continuité. Également, un point qui est important, vous pouvez très bien avoir des documents qui sont validés, mais pas forcément applicables. C'est ce que vous permet de gérer également le PLM. Par exemple, vous dire « ce document est valide, par contre, il n'est plus applicable » ou alors « il ne sera applicable que sur l'année 2018 ». Le second point est la gestion de configuration que l'on va appliquer à la configuration documentaire, à la gestion documentaire. Donc prenons un exemple de 2 fichiers CAO qui sont stockés dans votre référentiel. L'un ne va être relié à rien, l'autre va être relié à la fois à un rapport d'essai et à une note de calcul. Cette note de calcul va être utilisée, reliée à une norme. Cette norme, quant à elle, va être reliée à une note de calcul, à un rapport d'essai, qui vont être également reliés à une CAO. L'objectif est de pouvoir facilement procéder à des analyses d'impact. Et donc, si jamais vous avez une modification de cette norme, vous pouvez très facilement revenir aux CAO qui sont impactés par cette modification de norme. Si je prends un autre exemple un peu plus concret, imaginons une rame de train qui a été justifiée par un calcul et qui dépend d'une méthodologie de calcul. Si jamais dans 10 ans on s'aperçoit qu'il y a un accident et que la méthodologie n'était pas robuste, il est possible de remonter très facilement aux trains qui ont été justifiés par une certaine méthodologie de calcul. Également, donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, le fait de pouvoir incorporer l'ensemble de vos processus métiers directement dans le système. Imaginez que vous avez une centaine de lettres à poster et que vous avez 5 boîtes aux lettres en face de vous et que vous n'ayez qu'à envoyer les lettres, les envoyer en l'air et qu'elles retombent toutes dans les bonnes boîtes aux lettres et si besoin en s'étant dupliquées si jamais plusieurs personnes devaient recevoir un courrier. Là, c'est exactement le même principe, que ce soit pour de la diffusion ou pour de la validation. L'objectif est de n'avoir qu'à cliquer une seule fois, bien sûr en ayant sélectionné les informations, mais les envoyer en validation ou en diffusion, et que chacun des documents puisse suivre un circuit de validation ou de diffusion qui lui est propre. On peut par exemple imaginer un circuit de validation simple pour un document administratif, et un processus un peu plus complexe avec plusieurs validations ou plusieurs avis, dans le cas d'une maquette numérique. Dernier point que je voulais vous montrer, donc la collaboration inter-entreprise. L'objectif, bien sûr, est de pouvoir faire collaborer différents intervenants sur un même projet. Dans le cas que je vous montre dans ces slides, donc il s'agit d'un référentiel technique potentiellement géré par un maître d'œuvre, une maîtrise d'œuvre. et qui donne accès à son référentiel, donc à son donneur d'ordre, à sa MOA, et également à ses contractants. Bah, le maître d'œuvre ne veut pas forcément que la maîtrise d'ouvrage ait accès à toutes les informations, mais par exemple uniquement les informations validées. Et on peut aisément imaginer que les différents contractants ne souhaitent pas forcément soit avoir accès, mais que leurs autres homologues contractants puissent avoir accès à leurs informations. Et donc là, vous pouvez, entre guillemets, faire de la dentelle dans la gestion des droits pour ségréger les informations, potentiellement donc en fonction du type d'émetteur, de la confidentialité ou autre. Maintenant, donc place à la démo, et donc je laisse la parole à Patrick Albertini. Merci Arnaud. Je vais donc maintenant illustrer le discours d'Arnaud par quelques scénarios qui expliquent les étapes clés d'un cycle de vie. Ce ne seront pas l'exhaustivité parce que nous n'avons pas le temps, mais quelques étapes. Donc je vais partager mon écran et donc arriver sur l'interface web de notre application. Donc je vais me placer d'abord avec un profil plutôt technicien et je vais donc me connecter pour vouloir déposer un plan, une maquette, des éléments. Donc l'interface que vous voyez, c'est l'interface d'un technicien, elle est assez épurée. D'autres personnes avec d'autres profils que nous verrons au cours de la démonstration auront des profils plus étoffés. Mais dans notre cas concret, notre technicien a un besoin, c'est de déposer un plan. Donc il a un raccourci rapide directement sur sa page qui lui permet de déposer. Lorsqu'il veut déposer, il va devoir remplir ce que l'on appelle une fiche d'identité. Cette fiche d'identité, ce sont des attributs qui sont paramétrables, qui vont décrire pour permettre à d'autres personnes de retrouver l'information. Donc je vais mettre un titre, maquette d'un tronçon de tunnel par exemple. J'ai des champs qui sont des champs listes, je peux commencer à taper quelque chose et le système me donne la liste des valeurs correspondantes. Je peux donner une spécialité, un type de document et le plus important, je vais pouvoir aller placer une ou plusieurs pièces jointes dans ma fiche. Alors, je peux le faire par une recherche réseau ou bien dans les technologies un peu plus récentes, faire un glisser-déposer dans mon application. Et voilà. Là, ma fiche est créée. Le système a enregistré ma fiche. Il lui a donné une codification, donc avec une numérotation qui peut être automatique ou manuelle. Et à partir de ce moment-là, en fonction des droits des utilisateurs, elle est accessible aux autres utilisateurs de l'application. Si je veux maintenant donner l'information et demander par exemple un avis à ces personnes-là, je peux utiliser un process de diffusion qui va me permettre d'avertir des personnes en interne comme en externe pour leur demander leur avis avant une validation. C'est très important de pouvoir pousser l'information. Il y a la méthode pour pouvoir récupérer l'information en s'abonnant à l'information, mais là, je vais la pousser. Donc, je suis un utilisateur. Je vais l'envoyer à un AMO et à mon responsable du bureau d'études. Je vais lui donner un libellé pour lui dire que je veux faire une diffusion avant validation. Ah. On attend. Et des instructions. À partir de là, je vais pouvoir envoyer à ces deux personnes automatiquement sur la fiche d'identité que je viens de créer, j'ai la traçabilité des envois en diffusion. Donc, à tout moment, lorsque je reviendrai sur cette fiche, je pourrai avoir accès à l'ensemble des diffusions et donc à au cycle de vie de celui-ci. Je l'ai donc envoyé à un AMO qui va se connecter, qui lui a reçu une nouvelle demande de diffusion dans son tableau de bord. Il a été aussi notifié dans sa messagerie. De la même manière, le responsable bureau d'études a reçu la même diffusion. Vous voyez que le responsable du bureau d'études a une interface un peu plus chargée, c'est-à-dire qu'il a des actions supplémentaires qui lui sont inhérentes, comme l'approbation des demandes en cours que vous voyez au milieu. Il a accès à des tableaux de bord. Voilà. Toute cette interface est totalement paramétrable par l'administrateur ou les personnes ayant le droit de le faire. Revenons sur notre diffusion. Je vais pouvoir voir à quelle date elle a été créée, les instructions, et je peux voir son contenu. Je peux donc visualiser le document. Donc là, j'ai choisi une maquette IFC, donc c'est une maquette numérique 3D. Voilà. Donc je peux le visualiser. Donc on intègre un visualiseur du marché qui nous permet de visualiser des documents sans avoir l'outil adéquat installé sur notre machine. Outre la visualisation, l'intérêt c'est de pouvoir gérer des annotations et de pouvoir créer une annotation. Donc je vais pouvoir choisir et créer une annotation. Voilà. Attention au grain d'écoulement, par exemple. Une fois que cette annotation est finie, je vais pouvoir l'enregistrer. Avec un titre. Et ce qui est important, c'est que lorsque je vais fermer cette fenêtre-là et que je vais dire que j'ai fait voir commentaire en je vais pouvoir acquitter ma diffusion. La personne qui a émis la diffusion peut voir l'avancement de cette diffusion. Donc, on voit que le responsable du bureau d'études a répondu à la date d'aujourd'hui. Si l'AMO regarde cette diffusion-là, visualise le plan, il aura automatiquement accès aux annotations faites par cette personne-là. Bon, j'ai au mauvais endroit. Donc, je vois apparaître en bas à gauche la présence d'une annotation et je vais pouvoir l'afficher. Éventuellement, bien sûr, cette personne-là pourra répondre à cette annotation, voire en créer de nouvelles. Mais ce qui est le plus important, c'est que cette annotation qui a été faite sur le fichier physique est aussi présente dans la fiche de l'élément créé, dans la section commentaires. Donc je peux voir et suivre toutes les annotations et bien sûr je peux les traiter, les catégoriser par exemple pour leur donner une catégorie de mineur à critique qui permettrait de prévenir certaines personnes. Je peux la prendre en compte, c'est-à-dire que je vais traiter cette annotation dans cette version-là. Je peux la considérer comme sans objet, c'est-à-dire que je trouve que l'annotation existe, mais je n'en tiendrai pas compte. Je peux y répondre, il y a une réponse, ou bien je peux ne rien faire et automatiquement cette annotation sera reportée sur la version suivante. Donc ce qui est important, c'est que pour les cycles de relecture, une annotation doit être traitée. Ce n'est pas parce qu'une personne a fait une annotation sur un post-it, sur un document, qu'on ne doit pas le traiter. Il est très important dans le cycle de relecture d'avoir une traçabilité totale de tous les commentaires qui ont été faits par les personnes. Une fois que j'ai traité mes commentaires, une chose importante, c'est de pouvoir envoyer en validation mon document. Donc, je vais pouvoir prendre plusieurs documents, par exemple, mes plans, je vais sélectionner les filtres les documents qui sont non valides. Je vais pouvoir les sélectionner tous les trois et je vais pouvoir les envoyer en validation. Vous voyez, c'est très simple. L'utilisateur ne se pose pas de questions. Il envoie ses documents en validation. Bon. Et il ne se préoccupe pas de savoir qui va le valider. Automatiquement, le système, en fonction des règles de vos projets, vont recevoir les bonnes personnes aux bonnes étapes. La première étape, on peut le voir sur la fiche, va être, dans le process de validation, un visa par l'AMO technique. Donc l'AMO technique a reçu dans sa boîte aux lettres et dans son tableau de bord une demande de validation. Il va pouvoir donner son avis. OK. Éventuellement, ajouter une diffusion. Il peut refuser car on conforme pour le deuxième élément. Il termine. Et c'est terminé. C'est-à-dire que maintenant, mon plan est passé à l'étape suivante de l'AMO technique. Il est passé au responsable du bureau d'études. Donc, le premier plan a été validé. Le deuxième plan a été refusé car non conforme. On passe maintenant avec le responsable du bureau d'études qui, lui, a reçu une notification. Cette notification va lui permettre de choisir, pour dire OK pour moi, par exemple, de dire sans annotation. Il peut rajouter éventuellement une pièce jointe pour conforter sa décision. Terminé. Et automatiquement, les plans que j'ai créés, mes plans. Vous allez voir que mon document maquette tronçon tunnel a été refusé et que mon plan d'implantation du bâtiment a lui été validé. Et si je retourne sur la fiche de mon document, je vois que mon document ici, j'ai son cycle de vie complet. J'ai les informations des personnes qui ont validé ce document-là, leurs commentaires, leur date de validation. Notre process permet aussi, lorsque le document est un PDF, de pouvoir le signer électroniquement, car il a une valeur juridique. Une fois que ce document est validé, l'important, c'est de pouvoir le déposer, par exemple, dans un DOE, donc de créer un dossier. Donc, on va se mettre avec le profil du responsable du bureau d'études. Celui-ci va aller dans son dossier DOE. Il va prendre son DOE de son bâtiment. Il va le modifier. Et il va tout simplement ajouter le plan qui vient d'être créé. Il va rajouter le plan d'implantation du bâtiment. Il le sélectionne et automatiquement, c'est terminé. Dans mon dossier, je retrouve le document que je viens de placer. Là, on a structuré l'information et le document est bien présent dans mon dossier. Il pourrait être présent dans plusieurs dossiers. Là, je l'ai placé dans ce dossier-là. Notre système permet d'avoir une traçabilité totale sur l'évolution de ce dossier. En effet, je peux revenir, par exemple, à l'état de mon dossier tel qu'il était il y a 6 mois. Et il y a 6 mois, je n'avais pas de document dans mon lot structure. Donc visuellement, je suis capable de voir, si j'ai fait des envois partiels de mon DOE, d'envoyer une partie et le différentiel. De plus, Notre système permet d'avoir une vision de comparaison qui va permettre à un utilisateur de comparer, par exemple, entre la date d'aujourd'hui et la date d'il y a 6 mois, notre dossier. Je peux voir que j'ai rajouté 2 documents dans le lot structure, que j'ai rajouté encore 2 documents dans le lot électricité, que j'ai un document qui était présent dans entre les deux dates, et que entre ces 2 dates, j'ai mon document qui a changé de version. Il est passé de la version 0 à la version A. J'ai donc une traçabilité totale, soit sur l'évolution des versions, soit sur l'ajout ou la suppression de documents dans mon dossier. Au-delà de tout ça, un utilisateur a la capacité d'avoir des tableaux de bord qui vont lui permettre de piloter l'avancement de son dossier. Par exemple, certains indicateurs sur l'avancement des livrables. Savoir, est-ce que par rapport aux listes prévisionnelles, combien de pièces jointes ont été mises par projet. Donc là, on voit que sur le projet AEC, nous sommes à 40% de livrables avec pièces jointes. Je peux voir une image derrière pour dire, par rapport à ce pourcentage-là, combien de pourcentage d'avancement des livrables ont été validés. Donc je vois que je n'ai que 15%. Je pourrais mettre des jalons et mettre ça en perspective avec mes attendus. Je peux avoir aussi, par exemple, une concaténation des délais moyens des process de validation pour avoir le délai moyen à partir du moment où on dépose un document et on l'envoie en validation, et le délai moyen par projet des retards de validation. Éventuellement, je pourrais investiguer et avoir des détails plus fins en disant où est-ce que se trouve le problème. Je peux avoir aussi des tableaux de bord sur l'avancement des projets. Par exemple, je peux voir que mon projet AEC est en planification et qu'il n'est pas encore passé en définition des livrables. Je peux voir que j'ai 16 jours de retard et que la tâche de planification est assignée à Procube et qu'il a 16 jours de retard. Donc, toutes les données de notre application, tant qu'elles sont remplies par le système ou par l'utilisateur, sont utilisables pour donner une vision globale et synthétique de l'avancement de vos projets, afin de permettre un pilotage le plus adéquat possible. Voilà pour cette petite introduction à notre outil. Ce n'est pas exhaustif, mais ça vous permet de voir la création, la diffusion, la validation, ainsi que la création de projets dans notre application. Nous allons passer maintenant aux questions-réponses. Très nombreuses. Alors, première question. Donc, cette notion de différence PLM-GED. Donc effectivement, une GED va plutôt se focaliser sur du document, alors que déjà le PLM ne va pas se focaliser uniquement sur le document, mais donc également des métadonnées ou alors des segments, des nomenclatures. Également, il y a cette notion d'unicité de l'information dont on vous parlait, donc unicité et continuité de l'information. Vous n'allez pas dupliquer les informations si jamais vous souhaitez qu'à la fois une information se retrouve dans votre dossier de livrable et dans votre DEE, par exemple, ou alors dans un carnet de santé de bâtiment. La possibilité de pouvoir intégrer des processus complexes, permettant également de favoriser la collaboration inter-entreprise. C'est une gestion des droits qui est très poussée, c'est pas 0 ou 1, c'est pas j'ai accès ou j'ai pas accès, ça va dépendre de la société émettrice, ça va dépendre voilà, effectivement de vos processus, et vous pouvez très bien ségréguer et vous dire voilà, moi je voudrais que mes partenaires n'aient accès qu'à des PDF, mais n'est pas forcément accès aux fichiers natifs. Et l'inverse est également vrai. Alors, moi j'ai plusieurs questions plutôt techniques, donc je vais commencer par répondre à celle-ci. Donc, peut-on inscrire des dates et objectifs pour les validations des données? Oui, clairement, on peut créer des listes, par exemple des listes prévisionnelles avec des délais de fourniture des pièces jointes et des délais d'envoi en validation. voire avec des objectifs finaux de validation. Et on peut les créer donc soit manuellement, comme je viens de le faire, soit en utilisant le format Excel. Donc on peut prendre un fichier Excel, importer ce fichier Excel qui va créer la liste des livrables avec les objectifs de date et de délai. Une autre question, c'est y a-t-il une traçabilité des échanges entre les différents interlocuteurs? Oui, on a une traçabilité totale, c'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur va échanger avec un autre utilisateur, on va tracer leurs échanges et ces échanges vont être visibles par l'ensemble des personnes du process et donc on va pouvoir avoir bien toute la vie du circuit de validation. Je crois que j'ai une autre question sur le mode de fonctionnement. Est-ce que notre application est mono ou multi-projet? Eh bien, nous avons les deux. C'est-à-dire que certains de nos clients utilisent un seul projet dans notre application et d'autres utilisent le mode multi-projet avec ce que l'on appelle le module Project Room qui va permettre de cloisonner les données et de permettre à des utilisateurs d'avoir accès ou non à ces projets-là. De plus, chaque personne dans chaque projet pourra avoir des profils différents. Question par rapport à la compétence et la formation pour utiliser correctement l'outil. Alors, il n'y a pas de préconisation de ce côté-là. On a une population assez large, donc on va retrouver des techniciens, des ingénieurs, des doc-contrôleurs, des documentalistes. Donc, tout type de population peut utiliser l'outil. Après, il y a certaines fonctionnalités que vous pouvez limiter en fonction de leur position dans l'entreprise, mais nous n'avons pas de limitation. Voilà, ce qu'on va juste préconiser, c'est bien sûr une formation qui est d'une journée pour les utilisateurs normaux et de 2 jours, une journée supplémentaire pour les utilisateurs de type administrateur. Alors, j'ai une question sur les commentaires. Est-ce qu'il existe une vue permettant de suivre la totalité des commentaires sur les plans et les documents? Donc, on a la possibilité de voir une vue sur l'ensemble des commentaires qui ont été faits pour un document donné. Et on a la possibilité de générer un export permettant d'avoir la vue complète des commentaires qui ont été faits sur un ensemble d'éléments ou sur les documents qui appartiennent à un projet. On peut même exporter tous ces commentaires en vue d'un formalisme de réponse dans Excel. J'ai une autre question. Dans le cas d'un flux de validation, dans le cas d'un refus, peut-on rendre le commentaire obligatoire? Oui, dans notre application, si je place la décision à refuser, ou même valider sans observation, avec observation, je peux rendre obligatoire le commentaire pour justifier mon refus. J'ai une question sur les processus. Donc, on me demande si est-ce que l'on a des 7 standards de processus ou de workflow définis pour chaque industrie. À quel point sont-ils personnalisables? On a un process que je viens de vous montrer qui s'appelle AviVisa, qui permet de définir par une matrice de validation les étapes que l'on veut activer ou non activer en fonction de critères des éléments envoyés. C'est-à-dire que je peux par exemple définir des process de validation par phase, par émetteur ou une combinaison par lot, émetteur, c'est au choix. Et pour chaque process, je vais pouvoir définir le nombre d'étapes avec un maximum de mémoire 14, mais qui est potentiellement extensible. Et je vais définir quelles sont les étapes actives ou non actives pour chaque process. Donc je peux le personnaliser. Nous avons aussi des process de diffusion. Donc voilà, nous avons d'autres process personnalisables comme les demandes de diffusion qui peuvent être pré-remplies en fonction des listes de diffusion par défaut, par type de document. Question très générale, donc les gens me demandent si jamais ils vont recevoir la présentation. Donc oui, nous allons diffuser la présentation et le replay ultérieurement. J'ai plein de questions. L'arborescence des dossiers est-elle exportable ou importable? Oui, nous pouvons l'exporter de plusieurs manières. Par exemple, nous pouvons l'exporter dans un format Excel qui est visible par tous et surtout importable par tous dans la plupart d'autres systèmes d'information. Nous pouvons importer de la même manière un fichier Excel. Nous pouvons l'exporter dans un formalisme XML, qui est plus moderne pour les autres systèmes d'information, qui va permettre à d'autres systèmes d'information de recevoir cette information par ce qu'on appelle une phase de transformation. Mais nous fournissons donc notre formalisme XML. Voilà les deux modes principaux d'export. Il y a une question également par rapport au type de données qui sont gérées. Donc, est-ce qu'on ne gère que des IFC, par exemple? Donc, la réponse est non. Donc, nous gérons tout type de fichiers. Donc, il n'y a pas de limitation, que ce soit des documents 2D, 3D, bureautiques, des vidéos, des images. Voilà, vous pouvez gérer tout type d'informations dans notre référentiel. J'ai une question... de développeurs, quelles sont les API disponibles pour interface avec un ERP ou une autre appli de GPAO ou plus généralement d'autres systèmes d'information. Donc nous avons un kit de développement qui permet d'accéder à toutes les fonctions de l'application, de la création de process à la création d'objets, à la validation, à la mise à jour, à l'export. Donc notre application est ouverte vers l'extérieur et nous possédons un jeu d'API et de web service pour travailler dessus. J'ai une question également par rapport aux connecteurs, donc savoir si jamais nous avons des connecteurs sur l'ensemble des outils CAO du marché. Pour l'instant, donc nous avons des connecteurs donc, pour la bureautique, nous avons également des connecteurs, un connecteur pour AutoCAD et Microstation, et nous sommes en train de mettre en place un connecteur Revit, qui sera disponible cette année. J'ai une question sur quel profil peut créer des nouveaux tableaux de bord. Eh bien, les tableaux de bord utilisent une technologie Internet pour pouvoir les créer. Donc, c'est des personnes qui ont suivi la formation du module dashboard de notre application. Donc, ce n'est pas les personnes, les end-users, les utilisateurs finaux, mais plutôt des personnes ayant une compréhension complète du modèle de données, parce que si on veut synthétiser les données, il faut avoir une vision globale de l'application et bien sûr d'avoir suivi la formation. Il n'y a pas de formation de développement à avoir, mais c'est une formation à l'utilisation de l'outil. Alors, nous avons beaucoup de questions, par contre, nous commençons à être limité en termes de délai, donc nous allons essayer d'en prendre le maximum, mais donc nous n'allons malheureusement pas pouvoir répondre à l'ensemble des questions. N'hésitez pas à nous les reposer par mail si jamais les réponses que nous avons apportées ne sont pas suffisantes. J'ai une question plutôt sur la gestion de configuration. Est-ce que c'est la configuration des documents? Ce n'est pas que la configuration documentaire. On peut avoir aussi une gestion de configuration d'équipement en partant de la configuration d'équipement telle que définie par l'étude, donc à ce que l'on appelle as design. Ensuite, on va prendre cette configuration et faire un système d'instanciation pour la sérialiser, pour la rendre telle que fabriquée. Ensuite, on va pouvoir la suivre en telle que maintenue. Donc, on peut avoir une gestion multiple des configurations et pas que documentaire. Notre application est à la base une gestion de configuration multiple qui permet de gérer la configuration documentaire, mais aussi d'autres types de configurations comme les configurations d'équipement, les builds of quantities, builds of materials, etc., etc. Une question par rapport à une version offline. Donc, nous proposons donc la possibilité d'exporter les informations du référentiel par un formalisme très simple d'Excel, et la possibilité de le réimporter, donc une fois que vous sortez de l'avion par exemple, et qui permet à la fois d'importer des informations, mais également des commentaires ou des réponses à commentaires. Alors, lors de la comparaison du document, l'outil permet-il d'afficher rapidement un écart entre deux versions, que ce soit en Office ou en CAO? Alors, actuellement, notre outil de visualisation que je viens de vous présenter permet de faire la comparaison entre deux documents CAO, de visualiser donc les différences en plus ou en moins lorsque c'est du 2D, et de regarder les éléments unitaires lorsque c'est des maquettes BIM. Il n'y a pas la possibilité actuellement de faire de la comparaison d'outils Office dans cet outil de visualisation. J'ai une autre question. Y a-t-il des limitations en termes de volume de documents et de données? Dans notre application, il n'y a pas de limitation, je dirais, technique à notre utilisation. On a des clients qui mettent des fichiers à plusieurs centaines de mégaoctets. Le seul problème, c'est le délai d'upload et de download. Si vous mettez un zip de 1 teraoctet dans votre application, il faut que vous imaginiez que vous allez mettre du temps pour le mettre en place, et les autres personnes vont mettre autant de temps, voire plus, selon leur ligne, pour pouvoir le télécharger. Ce qui fait suite à une autre question, est-ce que notre application est installable sur site ou bien hébergeable? Notre application peut être soit hébergée chez votre hébergeur ou chez un hébergeur partenaire de notre société, ou bien nous pouvons l'installer dans votre infrastructure, dans votre architecture. Question sur l'interfaçage avec d'autres systèmes d'information. Nous n'avons pas forcément actuellement vu de limitation par rapport aux systèmes avec lesquels nous pouvions nous interfacer. On s'est déjà interfacé avec succès avec des outils GMAO, mais également des ERP, donc notamment SAP. Nous avons également pu nous interfacer avec des logiciels métiers internes de nos clients, donc qui ne sont pas disponibles sur le marché. À ce jour, nous n'avons pas forcément vu de limitation. Tout dépend après du degré d'intégration que vous souhaitez avoir. Alors, j'ai une question sur, et après on va conclure, je pense, que sur le système. Est-il possible d'importer, donc de migrer en masse des fichiers dans votre outil? Eh bien, de la même manière que on peut utiliser un fichier Excel ou un fichier TXT, dans ce même fichier texte ou fichier Excel, on peut mettre des liens vers un fichier zip dans lequel je pourrais importer en masse l'ensemble des fichiers et des fiches de l'application, soit pour mettre à jour des fiches, soit pour mettre à jour des fichiers. Et juste une dernière petite question, donc pouvons-nous organiser des démos personnalisées pour discuter plus précisément de vos besoins? Donc bien sûr, nous pouvons organiser des démos personnalisées donc, par rapport à votre besoin. L'objectif, ce sera d'échanger à 10 minutes, un quart d'heure avant la démo, en vue de pouvoir préparer quelque chose de spécifique pour votre besoin. Donc nous serions ravis de venir vous voir pour vous présenter un peu plus en détail ce que nous faisons. Eh bien, écoutez, on va vous remercier de votre attention. Vous avez été plus de 120 personnes à nous suivre, ce qui est un bon webinaire. Encore merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.